là, ça donne un son qui est très proche à la voix. C'était pas joué pendant plus que 2000 ans. Il y a quelque chose qui est vraiment étonnant de pouvoir refaire sonner cet instrument. Quelque chose qui me touche profondément dedans ça, une chose un peu mystique. Je vais dans les forêts, c'est surtout en hiver, dans des périodes spécifiques. Je récolte mon bois. Dans le sud de la France, on a du buis. Et le buis, c'est le bois que j'utilise pour les aulos. Ça a des qualités sonores magnifiques, il est très très dur. Les buis qui sont vraiment intéressants pour faire la luthierie, c'est souvent des buis qui sont très anciens. Ce ne sont pas faciles à trouver. J'aimais à jouer les flûtes harmoniques et donc c'est des flûtes assez simples à jouer, assez intuitifs à jouer. C'était pas facile à trouver. Je me suis dit bon, je vais aller dans les pays de l'Europe de l'Est, là où c'est encore beaucoup joué, et j'ai rencontré des gens qui en fabriquent. J'ai regardé comment ils font, j'ai discuté avec eux, ils m'ont montré des petites choses ici et là. Et en retour, j'ai cherché dans les brocantes antiques pour trouver les mèches et pour trouver les outils. Je ne me voyais pas faire des flûtes à bec parce que j'avais déjà trouvé ces flûtes traditionnelles. C'était ça ce qui me touchait. Les premiers sifflets, c'était... pas très intéressant ce que je faisais. C'était beau de sa façon, mais pas très précis. Mais de temps en temps, j'avais quand même une qui avait un bon son. J'ai décidé de m'aménager un camion avec mon petit atelier dedans. Et j'ai vécu ça pendant longtemps, la vie de voyage, de pouvoir visiter les différents lieux, avoir mon travail avec moi, faire un peu de musique ici et là avec des gens que je rencontrais, avec des copains. Les autres instruments, les flûtes, je les fabrique encore parce que je les joue, je les adore jouer. Mais ma recherche s'est surtout concentrée sur les aulos ces dernières années. C'est un ancien instrument de l'Antiquité. Les dernières traces qu'on a du aulos, ça devrait être peut-être vers 200-300 après Jésus-Christ. Et après, ça s'était perdu complètement. On a le aulos qui est dans le Louvre, qui est encore en pas mal bon état pour faire des reconstructions très exactes.
La roulotte, c'est pas une flûte, c'est un instrument à hanche. Ça fait plutôt partie des instruments à vent, comme un hautbois ou une bassoune. L'instrument même, ça paraît très simple parce que c'est une tube avec des trous, mais qu'il y a toutes les harmoniques qui sonnent bien, ça demande pas mal d'expérience et de travail pour que ça sonne vraiment bien. C'est surtout le son de l'instrument qui m'a capté. Ce qui se passe dedans moi quand je le joue. Max, depuis qu'on se connaît, est toujours attiré par toutes sortes de sons très planantes. Puis je me rappelle dès qu'il a entendu le horlos, il était tout excité. Puis après, quand il y a eu enfin l'instrument, je me rappelle quand, je pense que c'est la première fois que tu as joué, tu me l'as fait entendre. Il était comme un petit garçon avec un nouveau jouet, c'est magique. Puis après, c'était vraiment... Ça sonnait mal. C'était impressionnant de le voir, de voir que quand Max se met une idée en tête, il la lâche plus jusqu'à ce qu'il y arrive. Il jouait souvent sur les balles, sur les ateliers à Saint-Jean-du-Gard. Je pense que c'est eux. Moi, j'ai grandi au Québec, en Abitibi. C'est au nord-ouest de Montréal, à 600 km de Montréal. Au milieu de la forêt, il y a beaucoup de lacs. Plus de lacs que de gens, probablement. Quand on s'est rencontrés, Max était encore nomade. J'étais encore aux études. Il est venu jouer le joueur de flûte de Hamelin pour une comédie musicale dans ma ville. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mon petit frère jouait dans la comédie musicale. Moi, j'allais voir d'abord le pianiste, puis après un peu plus le flûtiste quand même. Chaque soir avant mon entrée, il venait, cette belle fille, se mettre à asseoir à côté de moi. Ça me donnait encore beaucoup plus d'envie de jouer la flûte. J'ai décidé de venir vivre ici, dans la vallée, dans les Cévennes. Il y a beaucoup de monde qui aime les Cévennes, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui reste. C'est une terre très rude, mais aussi très sauvage. C'était toujours un peu des terres d'accueil pour des gens qui venaient d'ailleurs et je me sens très bien accueilli ici. J'ai
plusieurs copains qui fabriquent des instruments et chacun a un peu son petit monde dans son atelier. C'est très particulier, c'est très beau à voir, les spécialisations de chacun. C'est pas du truc classique, c'est plutôt un petit peu un autre monde à côté, dans les instruments traditionnels. Un bon ami, c'est quelqu'un qu'on connaît bien et qui nous aime bien quand même. Ça fait 5 ans que j'ai finalement commencé à fabriquer le Aulos. Le grand défi, le grand challenge, c'est vraiment de fabriquer l'anche. Je connaissais déjà un peu le réseau des copains de luthiers qui fabriquent des cornemuses. Tu fabriques 1000 anches avant tu sais ce que tu fais. Donc je me suis dit non. Évidemment, j'ai dû commencer à fabriquer des anches et j'arrivais pas à en fabriquer. J'ai essayé et il y avait un moment où j'étais prêt à prendre l'instrument et le jeter dans le lac et complètement oublier cette histoire-là. C'est des roseaux, un matériel qui semble plutôt très tendre, mais quand on le sèche de la bonne façon et quand on le récolte au bon endroit, ça sonne très très bien et c'est très résistant. D'abord, il faut apprendre à jouer l'instrument pour pouvoir le fabriquer. C'est un chemin long parce que ça demande beaucoup de muscles dans la bouche, les gestes toutes fines. Ça prend des années pour finalement sortir un bon son. Texte, la Aulos, ça a l'air qu'il était beaucoup joué en souffle continu. C'est une technique que j'ai appris déjà, ça fait trop longtemps, avec le didgeridoo. Ça peut avoir un côté très, très méditatif.
Avant de venir en Grèce, j'ai cherché des roseaux d'abord en France, à côté de chez moi. En Andalousie, j'ai trouvé des roseaux et ça n'a pas fonctionné. Ils ne vont pas vibrer assez bien, assez facile, comme finalement j'ai trouvé avec les roseaux en Grèce. Pendant des siècles et des siècles, la Grèce était l'endroit pour les roseaux, au moins pour les instruments professionnels. Ça a l'air que ça reste ici l'endroit où il faut aller. On a de la chance d'avoir trouvé des textes de Théophrastos, un botaniste de l'Antiquité, qui nous a laissé beaucoup de savoir sur la fabrication d'anges. Dans ces textes, il explique comment les fabriquer, où les chercher. Il fait une bonne description des différents roseaux. C'est grâce à les traductions de Caleb Simon qu'il s'est mis comme philologue à la recherche des anciens textes. Et il a trouvé ces textes-là qui, finalement, nous permettent de reconstruire l'instrument. Maybe I could make the second rhythm a bit more sort of languid. On est un bon réseau de gens qui travaillent sur l'instrument et pour moi, le cœur de ce réseau, c'est Callum Armstrong et Caleb Simon. On travaille ensemble pour trouver comment les instruments ils étaient joués. Brekekekex, kawex, kawex. Brekekekex, kawex, kawex. Prosolikote este. Prosolikon esti totze. There's more of like a gradual. Un mot revient souvent quand les anciens Grecs décrivent le son de l'aulos. C'est le mot enchantement. C'est l'idée que le son de l'instrument a un effet enchanteur qui prend possession de votre corps. C'est un son irrésistible et il permet tellement de variations quand on joue. Pour beaucoup de Grecs anciens et pour le philosophe Platon, le son des aulos faisait ressortir le pire côté des gens. Les gens s'abandonnaient complètement et succombaient au plaisir de cette musique. Et pour certaines personnes, dans l'Antiquité, ça posait un problème. Mais beaucoup d'autres y trouvaient un vrai plaisir. Les aulos étaient partout. On les trouvait sur les bateaux, dans les théâtres, dans les maisons, dans les symposiums, ils étaient partout. C'était un instrument omniprésent dans la vie quotidienne de la Grèce antique. Pour nous trois, c'est une chose qui fait partie de ce voyage en Grèce, partie du voyage de chercher des anges, mais aussi faire les recherches sur les instruments et voir les lieux. Donc c'est important de sentir les lieux et de sentir cette ancienne culture.
visite à Megara, c'était un événement très important dans cette année. J'avais déjà hâte de voir cet instrument, ça fait un bon moment, parce que c'est un instrument très spécial. Les deux instruments de Megara, ils sont dans un état qu'on peut le reconstruire, ça fait quelque chose de très spécial. On a deux paires d'instruments qui sont complètes. C'est quelque chose qu'on trouve rarement dans les instruments de l'Antiquité dans cette époque. Oh yes, yeah, you can see the difference. We can see that the holes in the lower part of the instrument are distributed very near with each other. They were probably used to facilitating to be used in different keys. Là, c'était incroyable pour moi comme constructeur d'instruments parce que c'est des instruments qui sont beaucoup plus complexes, surtout quand je vais commencer à travailler l'os. Ça va être encore un autre matériel, mais je n'ai pas encore fait des instruments complets en os. Ça m'a beaucoup aidé à comprendre des choses que je vais pouvoir mettre en place dans mes reconstructions. Is it okay? So it's just in reach. Il y a pas mal de chutes déjà dans le processus de récolte. Je ne vais pas vraiment savoir jusqu'au moment que je vais commencer à travailler le matériel. Les anges que je récolte maintenant, dans 3 ans, je vais savoir est-ce que ça fonctionne vraiment. C'est un grand défi d'avoir cette incertitude. Aujourd'hui, on n'a pas du tout l'habitude d'accepter d'attendre 3 ans pour voir le résultat. Et je pense qu'il faut être quand même pas mal fou pour accepter tous ces obstacles-là. Ça donne après des bons anges à jouer, que c'est impossible de trouver si je ne les fabrique pas moi-même. Ce patient vient du sang, de chercher le sang. À travers le son du didgeridoo, le chant diphonique, les gambardes, le son dans la nature, même ça, ça m'a inspiré. C'est peut-être ça ce qui me touche tellement dans cet instrument. Il y a une énorme force.